Préparez-vous pour l'optimisation de la salle IMAX. Configurez l'écran personnalisé. Champ de vision maximisé. Démarrez le système de projection révolutionnaire. Image claire comme du cristal, rehaussée. Calibrez les haut-parleurs numériques. Alignement des sons laser optimisé. Préparez le public à un impact maximum. L'enjeu de ce barrage a été d'assurer une coordination assez étroite entre les terrassements et le génie civil. Thank you.
déplacements ont été sur le chemin critique, puisqu'il a fallu réaliser le bâtard d'eau dans les temps convenus, de manière à ce qu'ensuite, après une opération de pompage, le terrassement puisse être fait à l'intérieur de ce bâtard d'eau et dresser les plateformes qui étaient nécessaires au génie civil pour démarrer les ouvrages.
Quand je suis arrivé sur ce chantier, j'ai d'abord été affecté sur le head regulator de l'Ibrahimia Canal. L'Ibrahimia Canal, c'est donc le canal d'irrigation qui s'écoule d'Assuit jusqu'à Bénissouef sur 300 km. Faire les travaux de réhabilitation de ce petit barrage tout en le laissant en activité pour permettre l'irrigation constante de l'agriculture sur le Nil. We'll be right back.
été profité de la réalisation du barrage pour prévoir une power station qui a avec une production de 32 MW pour essentiellement l'alimentation locale.
parler en quelques minutes, en une petite minute, des mooring structures. Beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup repris ce qui avait été fait à Nagavadi de façon à améliorer. C'est fait tout en atelier, ensuite qu'on a assemblé aussi à l'atelier, ensuite transporté et monté d'un seul tonneau pour ensuite faciliter la construction. Les moorings, les fender wall.
bien entré donc dans une phase très délicate du chantier. Il faut qu'on arrive à rendre tous les ouvrages avec le minimum de réserve et donc en intégrant toutes les parties architecturales du projet, donc les finitions, les ouvrages métalliques, toutes les finitions sur l'administration building, de laisser aucune autre trace de notre passage que ce bel ouvrage.
travers ce film, Dominique nous a fait revivre la belle aventure de la construction du nouveau barrage d'Assuit. Un chantier de presque 6 années où chacun a tenu sa place dans une équipe unie en faisant preuve d'endurance, de ténacité, mais aussi de créativité, d'enthousiasme et de bonne humeur. Ceci nous a permis de franchir de nombreux obstacles, de surmonter des revers, de profiter d'opportunités et de partager nos réussites. Français et égyptiens, jeunes et moins jeunes, équipes de travaux et personnels du bureau d'études. Je pense que beaucoup garderont dans leur mémoire un souvenir heureux d'Assuit.